Alors j'imagine que si vous êtes là, c'est que vous venez d'installer Unreal Engine 5, que vous l'avez lancé pour la première fois et que vous vous êtes dit un truc du genre « Moi je veux pas faire décoller d'avion, je suis dans un cockpit là, moi tout ce que je veux faire c'est créer un jeu vidéo, par où est-ce que je dois commencer à l'aide ?» Si c'est le cas, ne vous inquiétez pas, on est tous passés par là, moi y compris, même si ça fait 10 ans que j'utilise ce logiciel, je me rappelle de manière très vive d'à quel point c'était frustrant, hyper frustrant de débuter sur ce moteur et de ne pas savoir où cliquer de peur de casser tout ce qui se passe à l'écran. Et c'est justement parce que je sais à quel point c'est intimidant et frustrant de débuter sur Unreal Engine 5 que j'ai concocté cette formation dédiée aux débutants et dans laquelle je vais vous apprendre à créer votre tout premier jeu vidéo. Le jeu que nous allons créer dans cette formation va être celui que vous voyez juste derrière moi et ma promesse, elle va être simple. En suivant cette formation gratuite de plus de 10 heures, vous allez partir du stade où vous ne connaissez rien du tout à Unreal Engine 5 à celui où vous aurez d'excellentes bases pour commencer à mettre en forme vos propres petites idées de jeux vidéo. Alors cette formation, je l'ai baptisée Unreal Banana, la communauté la connaît parfaitement, je l'appelle comme ça tout simplement parce que vous allez apprendre tellement de choses sur Unreal Engine 5 que vous allez avoir la banane sans même pouvoir vous contrôler. Parmi les choses que nous allons apprendre, que nous allons aborder finalement dans cette formation, je vais vous montrer comment créer un perso jouable, comment créer une map, des IA, comment gérer les sons dans un jeu, comment créer l'interface utilisateur, comment gérer les animations des personnages et tout un tas d'autres choses. Alors d'ailleurs, je préfère profiter pour m'excuser d'avance, mais des fois, j'aurais peut-être tendance à aller un petit peu trop vite sur les explications. Si c'est le cas, n'hésitez pas à revenir en arrière grâce aux chapitrages qui sont disponibles sous chacune des vidéos de la formation. Et aussi, si jamais j'ai tendance à parler un petit peu trop vite, n'hésitez pas à ralentir la vitesse de la vidéo avec les options qui vont se trouver quelque part en dessous de moi, là, juste ici. Et enfin, je vous invite également à prendre des pauses entre chaque vidéo parce qu'il y a tellement de connaissances dans cette formation qu'il faut leur laisser le temps de s'ancrer dans votre cerveau. Alors, j'ai dit tout ce que j'avais à dire, je suis prêt à démarrer la formation, j'espère que vous aussi. Dans la toute première leçon, je vais vous présenter le launcher d'Epic Games, celui qui va vous permettre de tout connaître sur Unreal Engine, sur les actualités et tout ce qui est avec. Et en plus de ça, nous allons créer et paramétrer notre tout premier projet. Si vous êtes prêts, c'est l'heure de cliquer sur la vidéo qui va apparaître ici et on se retrouve tout de suite de l'autre côté.